Yo, yo, yeah, yo. Il y a beaucoup de yodels que je n'ai jamais appris. C'est comme parler, on ne se souvient pas d'avoir appris à parler. C'est venu grâce à mon père. Il chantait dans l'écurie, ou alors parfois avec le tracteur sur la route qui monte la colline. Il disait que le moteur l'accompagnait. Autrefois, les mercenaires suisses en mission à l'étranger n'avaient pas le droit de chanter du yodel. Ils risquaient même la peine de mort s'ils le faisaient. En entendant ce chant, les autres Suisses étaient pris d'un tel mal du pays, c'était si profond qu'ils n'arrivaient même plus à se battre. Je dois avouer que si je me retrouvais quelques années à l'étranger et que j'entendais quelqu'un yodeler, j'en aurais sûrement les larmes aux yeux. Man ist noch längst immer wieder in der Stadt oder so, aber es ist ja hier langsam geht das immer schneller an Orten. Heute muss alles im Laufschritt gehen, sonst hat einfach niemand keine Zeit mehr. Josef? Wo gehen wir? Da ist Waldoppe. Weil dort so ein junges Dandli ist, das abgestorben ist. Und das darf man abhauen. Und aus dem mache ich
Ein Hygrometer. Ich mache schon etwas wenig Aufstellung, aber lieber nur ganz kleine Sachen, grosse Sachen. Ich kann einfach keine Ruhe, bis es fertig ist. Und da kommt man dann manchmal ein bisschen in Stress rein. Und da ist die Gefahr, dass dann jemand etwas abverreckt. Ich heiße Josef Batscher und wohne hier im Riebbachberg oben beim Bruder Anton. Und der hat eine Frau, die hat vier Kinder. Und ich bin ledig. Und am 8. März 1938 bin ich geboren. Und jetzt solange ich lebe, bin ich jetzt hier daheim gsi. Der Sommer bin ich einst auf die Alp gegangen. Das wird jetzt, denke ich, der 75. Sommer gsi sein. Und jetzt muss man etwa schauen, wie lange man noch lebt. Ici, nous sommes dans le Motatal. L'hiver est comme divisé en deux parties. D'abord, pendant plus de deux mois, il n'y a pas de soleil. Mais à fin janvier, quand les premiers rayons apparaissent au-dessus des montagnes, on a l'impression d'avoir déjà vaincu l'hiver. Je m'appelle Daniel Schmidig, je suis agriculteur et en hiver je travaille aux remontées mécaniques à Stoos. Allô. Dans la vie, j'essaie d'apprécier ce que j'ai et non pas de chercher à avoir ce que je n'ai pas. Lorsque je repense à ma journée, les moments qui comptent vraiment pour moi sont ceux que j'ai passés avec mes enfants. Je me souviens alors d'un nouveau mot de mon fils ou d'une blague qu'il a faite. Le soir, quand on y repense,
Tout ça a bien plus de valeur que tout ce qu'on n'a pas atteint, ou qu'on n'atteindra jamais, ou qu'on devrait atteindre juste à cause des autres. Das ist jetzt ein Hygrometer und der zeigt auch die Feuchtigkeit und die Röchne. Jetzt ist er eben da ziemlich im Feuchten drin. Und wenn es ganz feucht ist, geht er bis da oben. Und wenn Föhnwetter ist, geht er auf der Seite bei der Sonne rauf. Da. So. Bis jetzt kann man noch zufrieden sein. Es war jetzt praktisch noch nie überaus kalt. Schnee haben wir auch noch praktisch keinen. Manchmal haben wir ja Mitte Oktober schon Schnee. Und es ist viel kälter wieder jetzt. Aber muss man jetzt etwa. Ich meine, man kann hin, wo man will, es ist nämlich nie viel schöner. Ich möchte mal auch nicht ausziehen. Ja, man war jetzt einfach ein Leben lang da und danach ist man sich halt dran gewöhnt. Als junger Mann, haben Sie mal geträumt, davon zu ziehen, irgendwo anderswo zu leben? Nein, nie, nie. Ich war der Liebste einfach daheim. Ich bin ja praktisch auch nie hergekommen, außer dem Militär. Da war man ja in den meisten Kantonen gewesen. Ich konnte auch nicht Auto fahren. Und danach ist man dann so dümmer drahlig. Aber mir ist es einfach der Wunsch daheim. Finger aufpassen. So, wie war's? Ich habe gerade ein Stück Reifen probiert. Ich habe es gerade gemacht. Wolltest du es probieren? Ja, wir sind.
Nous étions 10 frères et sœurs. En hiver, on devait descendre dans la vallée pour aller à l'école. Mais ce n'était que pour la demi-journée. En hiver, on y allait en luge. Et en été, on y allait à pied. Et quand il faisait beau, à pieds nus. Je n'arrive pas à imaginer comment c'était avant. Tout était différent. Avec ces ordinateurs et tous ces trucs, moi je ne m'y retrouve pas. Haben Sie ein schönes Leben hier? Ich meine schon, ja. Moi, je dis que oui. Ich bin zufrieden. Je suis satisfait. Depuis que j'ai terminé mon apprentissage, je n'ai pas acheté de nouvelles terres ou plus de bétail. Même si on me donnait 10 millions, je ne changerais rien à ma vie. Mais j'espère bien que je ne les gagnerai jamais. Sinon, je devrais peut-être quand même changer. Les gens sont souvent pris dans une sorte de cercle vicieux.
Ils achètent un nouveau terrain, puis l'écurie n'est plus assez grande, alors il faut construire, puis les machines sont trop lentes, alors ils en achètent d'autres. Et quand tout ça commence à rapporter, tu as 65 ans et tu dois t'arrêter. Mon père voit aussi les choses un peu comme ça. Depuis que je suis petit, je l'ai entendu dire qu'il y avait d'autres valeurs que l'argent. J'ai l'impression que mon luxe à moi, c'est de faire les choses lentement. Mon père m'a souvent dit qu'il fallait poursuivre d'autres buts, que posséder toujours plus de choses, vouloir plus de luxe. Les valeurs qui comptent dans la vie, c'est de laisser venir les choses et d'aller lentement. Ein bisschen mehr Frieden und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte und weniger Neid und viel mehr Blumen, solange es geht, nicht erst an Gräbern, da blühen sie zu spät. Das ist, ich meine, es ist ein schöner Spruch. Schon immer. Das wäre schon ziemlich, das wäre schon immer.